ça pas gain trop longtemps depuis que le Dieu Tout-Puissant a envoyé des serviteurs et des servantes passer à travers les stations de médias, les stations de télévision pour dire « Mais yon malheur qui planait, mon épée de Damoclès qui planait sous tête président république là, Jovenel Moïse. Et le ciel a envoyé plusieurs messages, by président. » Il faut que nous dit que les serviteurs et les servantes envoyés par Dieu le Tout-Puissant pour apporter ce message d'avertissement au président, parce qu'il faut nous préciser, c'était un message d'avertissement. C'était pas un message de confirmation de la mort du président. Mais malheureusement, nous voyons que le président n'a pas prêté attention à ce message d'avertissement. Et nous, malheureusement, que ce mardi 7 juillet qui s'est passé là, Jean l'était annoncé par les serviteurs du Dieu Tout-Puissant, par les servants du Dieu Tout-Puissant, l'irrivé malheureusement fait. Et faut que nous dit président Jovenel Moïse, c'est, nous t'es capable de dire, bon, permettez l'expression, un héros qui malheureusement passait sous silence, si seulement il a écouté, il avait prêté attention à la voix de l'Esprit de Dieu, eh bien, il était capable d'épargner de cet assassinat dans Jean que l'il fait ces derniers jours là. Donc encore nous vraiment regretter le départ du président dans pareille circonstance. Et nous pourrons terminer pour nous dire ceci. La parole du Dieu Tout-Puissant dit que dans Osée 4 verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Monsieur directeur, ma tête à toute, monsieur Josué, monsieur Louko Kotoye Waptandea. Lorsque le monde spirituel voyons message barou, nous donnons un avertissement. C'est pour prendre ça au sérieux. Et là, on avertit où? C'est pour capable changer votre manière de fonctionner, votre manière de faire les choses, en façon pour capable bien finir. Malheureusement, nous, président, il est tombé et non circonstances comme ça. N'a pas abordé ce point pour dire ceci, parce que Gampil mon cap expliquer la mort du président, c'était annoncé. T'es gagné un avertissement sous ça. Mais malheureusement, le président a fait peu de cas de la voix du Dieu Tout-Puissant. Il a préféré d'écouter son cœur au lieu d'écouter le cœur de Dieu qui lui a parlé. Et aujourd'hui, nous voyons que les serviteurs envoyés par Dieu le Père, les servants qu'il a envoyés, ils n'ont pas menti. C'est la confirmation qu'ils servent le Tout-Puissant. Deuxième des choses que je tiens à dire, vraiment pour terminer. Cette saison, il y en a qui se disent, puisque le président est assassiné, ils vont s'arranger pour y détruire, briser. Et la fin visée, c'est la prise du pouvoir, quel que soit le prix à payer. Le Dieu Tout-Puissant envoie dire à tous ceux en cette saison qui s'apprêtent à briser, qui s'apprêtent à détruire, à prendre les armes avec l'objectif de s'asseoir sur la chaise présidentielle. Si c'est dans cette intention que vous voulez prendre le pouvoir, le Dieu Tout-Puissant m'envoie vous dire, attention, 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 l'épée de l'ange de l'Éternel des armées, l'épée de l'ange exterminateur du Dieu Tout-Puissant est déjà, oui, élevée en direction de tout méchant, tout injuste, tout corrompu, tout ennemi invisible et visible du peuple haïtien, tant à l'étranger comme en Haïti. En cette saison, je termine pour dire, par le manteau de pouvoir, le manteau d'autorité, le manteau de domination que Dieu a placé sur ma vie, si vous prenez les armes en cette saison, les armes que vous allez utiliser seront tournées contre vous-même. Et comme le sang du président a été versé, ainsi on verra vos sangs versés. Amen. 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 Et je dis à tous les serviteurs du Dieu Tout-Puissant, à ceux qui servent le Créateur, le vrai Dieu, ne soyez pas paniqués. Les anges de Dieu ont déjà envahi le territoire haïtien. Ils sont déjà au palais national. Je dis encore, et je termine, directeur ma tête à toutes, monsieur Josué, monsieur Loukolo, vous êtes peuple haïtien, qui vit en Haïti comme à l'étranger. Vous allez voir tous ceux qui vont prendre les armes, les bandits, les criminels invisibles et visibles. Leur sang va être versé. Leurs armes vont être tournées contre eux-mêmes. Et dans
peu de temps, la paix régnera sur Haïti. La paix régnera sur Haïti. La paix régnera sur Haïti. Amen. 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 Gloire à Dieu le Père. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Bon.